Nang's Reborn. Wow! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soborn. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Et cette vidéo risque de vraiment vous étonner. Mes frères et sœurs, le diable existe, les sorciers existent, et ces gens-là ne rigolent pas avec nous. Même pendant notre cérémonie de mariage, vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? Sérieux? C'est un truc hors du commun. Attendez, je vous explique. Est-ce que vous voyez la femme de Nala? Vous la voyez? C'est son mariage. Et pendant la cérémonie du mariage, elle a décidé de saluer tout le monde, les invités, tout ça. Ok? Et pendant qu'elle salue les gens, la femme que vous voyez à l'écran est venue faire la sorcellerie sur elle. Mais comment ça? De quoi s'agit-il? Comment est-ce que nous, on sait que c'est la sorcellerie? Bon, d'accord. Vous-même, hein, regardez ce qui se passe ici à l'écran. Et dites-moi si ça, ce n'est pas la sorcellerie. Regardez bien. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Bon, d'accord. Attendez. Regardez très bien. Regardez encore très bien. Suivez la caméra. Bam! Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ici, là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attendez, regardez très bien ce qui se passe ici. La mariée est là, cette femme et cette dame est là. Elle passe, elle la salue, avec même la croix de Jésus au cou. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle plonge sa main dans la robe de la mariée et touche sa partie intime. Ça là, c'est sa main. C'est la main de cette sœur, de cette dame qu'elle a là. Ça là, c'est sa main. Qu'est-ce que sa mère veut faire là au niveau de la partie intime de cette femme? Pourquoi veut-elle toucher la partie intime de la mariée? Elle dit la mariée. On sent que, elle dit, mais quel est le problème? Elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle ne comprend pas. Elle se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais elle ne comprend pas. Elle ne comprend vraiment pas. Parce que ça, c'est étrange. Regarde encore! Elle passe. Elle fait semblant d'embrasser la mariée et elle vient faire la sorcellerie. Et sa sorcellerie consiste à toucher la partie intime de la mariée. Vous voyez ça? La mariée même, elle a reculé à un moment donné parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait là. Elle n'a rien compris. Heureusement que c'était filmé pour que nous puissions voir ça tout de suite là maintenant. C'est un truc hors du commun. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Mon Dieu, ça peut combien de secondes? Ça peut combien de secondes? Ça peut combien de secondes? Ça a été rapide, non? Très rapide. La mariée ne s'y attendait pas. Elle se disait que oh, les gens viennent pour la saluer, oh, c'est comme ça, et les gens viennent la saluer, c'est tout. Elle ne s'y attendait pas. Elle pensait que les gens allaient venir juste l'embrasser comme cette jeune femme qu'elle a. Mais à sa seconde surprise, le diable s'invite à sa fête et vient faire la sorcellerie. Je dis bien la sorcellerie, là comme ça. Hey. Maintenant, vous voyez pourquoi on appelle cela la sorcellerie pure et simple. Maintenant, vous voyez pourquoi on appelle ça la sorcellerie pure et simple. Entre nous. Est-ce que c'est normal, ça là? Est-ce que c'est normal? Tu veux toucher la partie intime de la mariée là, c'est par rapport à quoi? Tu veux toucher sa partie intime, c'est par rapport à quoi? À l'église, on touche la partie intime des gens. Regardez vous-même, elle a posé une croix là, en pleine église, en pleine église. On dit que ça, à l'église, c'est passé, sérieux? À l'église, où est le pasteur? Ah, pasteur! Regarde, monsieur le pasteur, ce que se passe! À l'église! Regarde-toi-même.
Vous voyez ça? Pourquoi ça se passe ainsi? Pourquoi les soucis sont de l'église? Mes frères et sœurs, avant, on pensait que le sorcier ne pouvait pas entrer à l'église pour s'asseoir. Donc je vous dis qu'il y a certaines églises où le diable lui-même est, il est assis sur le trône. Et oui. Quand c'est comme ça là, tous les sorciers peuvent quitter n'importe où dans le monde pour atterrir dans l'église là. Et lorsqu'il y aura fête, lorsqu'il y aura une cérémonie très importante, c'est là là, vous allez le voir. C'est là-là, vous allez les voir à l'œuvre. Ou du moins, ceux qui les reconnaissent. Et qui connaissent les signes des sorciers. En général, les sorciers font des choses qui sont insensées. Comme ce que vous venez de voir ici. Elle vient et elle touche la partie intime de la mariée. Ça n'a aucun sens. Ça n'a totalement aucun sens. Ça vous amène à vous poser des questions. Quand un geste est fait comme ça, et que ça vous amène à vous poser des questions, c'est que ce geste-là, c'est un signe de la sorcellerie. C'est un geste de sorcier. Par exemple, toi, tu es là tranquillement, en train de danser, tu dis que tu es la mariée, tu danses, et une femme quitte là-bas, et elle vient toucher ton ventre. Elle touche ton ventre comme ça. Ah, sérieux? Ah, sérieux? Ou bien on a fait une vidéo où il y a une femme qui est venue prendre un foulard pour tourner sur la tête de la mariée. Tourner sur la tête de la mariée plusieurs fois. Tourner le foulard sur la tête de la mariée. Les hommes qui ont regardé ça, ils me disent, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Tu veux prendre le foulard pour tourner trois fois sur la tête de la mariée, c'est pas pour quoi, c'est une incantation. Et ce sont toujours des femmes de certain âge qui font ça pour que les gens ne puissent pas prêter attention. Mais regardez vous-même. On se dit que oh, c'est une femme d'un certain âge, elle ne peut pas faire une chose pareille. Personne ne peut penser qu'elle puisse faire une chose pareille. C'est ça, le diable. Là, vous pensez que oh, cette personne ne peut pas faire ça. C'est la personne là-même là, que le diable a utilisé pour faire les conneries. Et c'est la sorcellerie qui est là. C'est comme ça que ça se passe à la sorcellerie. Mais oui, maintenant qu'elle a accompli sa mission, elle jette un petit sourire. Vous voyez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la fête, les sorciers du diable travaillent beaucoup. Quand on dit à fête, il y a cérémonie. Quand on dit que oh, c'est ce mois-là, ce sera un mois de fête. On dit que oh, c'est un mois où il y a beaucoup de fêtes. Oh, c'est Noël, oh, c'est janvier. Dès qu'on dit qu'il y a la fête comme ça, là, les sorciers préparent les âmes pour entrer sur le terrain pour attaquer. Comme ça. Et ça se passe dans la fête. Pendant que vous vous amusez là, ils lancent les armes, ils vous attaquent comme ça. Et ça passe comme si c'était simple, comme si c'était... C'est comment on va dire ça? C'est comme si ce n'était rien quoi. Ça passe tellement, il faut déjà tellement vite, en quelques secondes. Parce que c'est un coup qui a été préparé en esprit. Ouais non? Un coup qui a été préparé en esprit. Chien de le monde des ténèbres, ils ont dit, oh, tu vas venir, tu mets ta main comme ça ici. Ouais, non. Et elle s'est entraînée dans le monde des sorciers là-bas avant de venir exécuter cela sur le terrain. Vous voyez? Et là où elle est là, elle est en esprit. Et elle voit carrément la mariée. Carrément, elle la voit. C'est-à-dire, si la mariée là, elle est concentrée, elle le sait. Si la mariée est distraite, regarde à gauche et à droite, elle est aussi. Du coup, elle va utiliser une petite faille, une petite distraction venant de la mariée, afin de vous venir pour passer sa main comme ça, pour toucher sa partie intime de façon rapide, sans que personne ne le sache. Pendant ce temps-là, que se passe-t-il? Les sorciers envoient une autre personne à côté, c'est-à-dire une deuxième personne qui va suivre rapidement pour venir distraire la mariée, genre pour qu'elle se dise que oh non, c'était juste pas erreur, elle a fait ça, c'était juste une erreur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les sorciers font les plans, ils sont plusieurs sur le coin et ils font ça comme ça. La personne que nous envoie pour attaquer vient pour attaquer, la personne vient vous mordre. Maintenant, ils envoient une autre personne qui vient vous souffler.
aux gens pour caresser ça. Comment on appelle ça chez nous? On appelle ça genre un truc, ils font le mal, et puis après ils viennent faire le bien à côté. Genre pour faire quoi que non, ce n'est pas ce que vous croyez. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est comme la souris bouche longue. On dit que la souris bouche longue, là, elle là, avant elle te mange, elle te souffle d'abord. Pendant que tu es endormi, à un moment donné là, après t'avoir soufflé, pendant que tu prends les inventaires, la souris bouche longue te mange. Là tu cries, ah mon Dieu, c'est rien, qui où suis-je? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'on appelle la sorcellerie vis-à-vis. Quand on dit la sorcellerie vis-à-vis, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça à quoi ça ressemble. Voilà. Tu vois les gens en plein jour. Et ça a été filmé par le caméraman. Le caméraman a filmé ça. Ça a été fait de toutes les réseaux sociaux. Hein. C'est venu jusqu'à moi. Il faut que je vous montre ça et que je vous dise des choses afin que vous puissiez quand même être très vigilant quand vous êtes en train de célébrer. Quand vous êtes en joie, quand votre jour de joie est venu. Afin que vous sachiez que même dans vos jours de joie, les sorciers viennent s'amuser avec vous, les sorciers viennent se rejouer avec vous. Mais pas pour vous faire du bien, pour vous faire du mal. Waouh, c'est extraordinaire! Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, dans la description se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire les dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à toutes les personnes pour nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre part. Soyez prêts!